bien de faire participer de nombreux citoyens, donc importants citoyens, sur une thématique selon un même protocole, de façon à rendre des résultats comparables et utiles aux décideurs. On va essayer de s'écouter, de s'exprimer bien sûr, en tentant de ne pas se couper la parole. En tout, il y a près de 400 participants aujourd'hui. Longtemps à faire de spécialistes, notamment au sud de la vie, le fleuve s'ouvre progressivement à de nouveaux villages, notamment par les aménagements en bord de Loire, comme justement le Navibus, la vieille carte contemporain estuaire. Alors, en vie. L'aménagement de lieux propices aux usages festifs et récréatifs dans une très belle situation. Là, vous trouvez plutôt pas mal avec ce qui s'est passé au premier aménagement. J'ai envie de dire qu'on franchit une étape dans la construction des politiques. Jusqu'à maintenant, quand il y a 10 ans, on construisait des projets dans des bureaux entre techniciens et élus. Et après, les citoyens les informaient, ils disaient c'est mieux, c'est pas bien, on sait très bien. Mais ça n'avait rien à voir avec la façon dont on doit construire demain la ville et qu'on doit faire l'aménagement du territoire. Donc, merci, bravo et j'espère qu'on va pouvoir continuer.